Madame, Monsieur, bonsoir. En espérant que vous avez passé un excellent samedi, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons. On voit les titres. En judo, Maurice brille au championnat d'Afrique au Caire. Ce samedi, Rémi Feuillet est monté sur la deuxième marche du podium chez les moins de 90 kilos. Le judoka mauricien est en ballottage favorable pour valider son billet pour les JO de Paris. La cassure de l'alliance de l'opposition au sein de la conférence de presse du PMST. Le leader du parti, Xavier Le Tuval, s'est dit choqué des mensonges, dit-il, du docteur Navin Ramgoulam et de Paul Béranger. Chiffre record au niveau des investissements directs à Maurice, estimé à 37 milliards de roupies pour l'année 2023. Pour les observateurs économiques, il s'agit d'un signal positif pour notre économie. Les vétérinaires sont des agents de santé essentiels. Ils sont célébrés aujourd'hui à Maurice. Cela rime aussi avec l'importance de l'élevage à grande échelle pour l'autosuffisance alimentaire. L'Asie du Sud-Est étouffe sous des températures extrêmes. Selon les Nations Unies, c'est le continent qui a le plus souffert des catastrophes climatiques en 2023. Grand Prix de Marrakech en para-athlétisme, 2 médailles d'or pour Maurice. Et Arne Slot à Liverpool, cela se précise. Lors de la 45e édition des championnats d'Afrique de judo qui se tient en Égypte du 25 au 28 avril, Maurice a brillé en montant sur la deuxième marche du podium ce samedi. Rémi Feuillet s'est emparé de la médaille d'argent après avoir perdu en finale contre l'Égyptien Azem Ali dans la catégorie des moins de 90 kilos. Rémi Feuillet est monté sur la deuxième marche du podium lors de la 45e édition des championnats d'Afrique de judo. Lors de la compétition au Caire, Rémi a affronté le représentant égyptien Azem Ali en finale de la catégorie des moins de 90 kilos. Malgré un combat acharné, il s'est incliné au point. Il s'empare ainsi de la médaille d'argent. Ce championnat d'Afrique au Caire était vraiment, vraiment très, très difficile parce que les athlètes de toute l'Afrique, 34 pays d'Afrique, 200 athlètes sont venus chercher leur qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Rémi Feuillet est passé jusqu'à la finale, 5 combats jusqu'à la finale, très, très difficile, mais il a fait le parcours et il est sorti avec la médaille d'argent. Une médaille qui vaut de l'or, surtout lui qui cherche sa qualif pour les JO. Grâce à ses performances tout au long de la compétition, le Mauricien de 31 ans a accumulé un nombre important de points, le plaçant en position favorable pour obtenir sa qualification olympique. L'actualité politique en ce samedi avec la conférence de presse du PMSD après la cassure de l'alliance de l'opposition. Le leader Xavier Le Tuval est revenu sur cette cassure. Il s'est dit choqué des mensonges, dit-il, du docteur Navin Ramgoulam et de Paul Béranger. Il a estimé loin de vouloir offrir un meilleur avenir. L'alliance de l'opposition ne cherche que le pouvoir. Xavier Le Tuval a maintenu que Navin Ramgoulam voulait que le PMSD demeure dans l'alliance car en cas de victoire, le leader du PTR veut expulser le MMM et Paul Béranger du pouvoir. Une conférence de presse à trois volets où Xavier Le Tuval a abordé les récents événements politiques dont la désunion du PMSD de l'alliance Parti Travailliste MMM. Le leader du PMSD a commenté l'attitude de Paul Béranger et de Navin Ramgoulam à son égard, sans considération pour la population et uniquement pour accéder au pouvoir. Je suis en train de vous annoncer le programme. Je ne connais pas le même programme, parce que je peux faire un programme. Je ne suis pas intéressé au programme. Mais je suis appris quand même par le tissu de mensonges qui finit dérouler à mon égard. Un tissu de mensonges absolument fou. Et qui finit dire pour un ancien allié, qui ont même avant, tu peux taper les deux, tape-moi la main, encourage-moi, dis-moi, ça va te casse-paquet. Soudainement,
c'est le contraire. Dimanche, quand tu es qui bien ensemble, soudainement, on vient un démon pour eux. C'est malsain. Parce que ça, moi-même, je suis présenté comme ministre des Finances, pas oublié. Mais nous habitons ça de M. Béranger. Et d'une certaine façon aussi, M. Ramgoulam, finit nous, surtout nous, par ses mensonges. Béranger, pas n'étonne moi, son manière, c'est impossible de travailler. Il est crassé un jour, il a avalé l'autre jour, son manière, ça. Mais, et puis il est recrassé, et puis il est allé comme ça. Il vomit, réavale son vomi, son manière. Mais nous, nous ne sommes pris pas de mensonges de M. Ramgoulam. Fais attention, Mme Mauricien. Ce n'est pas un monde sincère. Ce n'est pas un monde qui a une parole, qui a une façon de faire. Vous pas sentiment inférieur à M. Ramgoulam. Vous pas vivre la vie dans mensonge. Vous pas finir jamais faire ça d'une façon délibérée de négocier dans le dos mon allié. Après, donner un coup de couteau dans les deux, comment finir arrive moi en 2014 par lui-même. Et l'an dernier, nous trouvons qu'il travaillait, c'était même faire l'alliance dans nous les deux. Moi, je paye le pot cassé par ici, au niveau de l'alliance travail PMSD. Et à nouveau, Jagnat, il gagne au moins un petit bout de gâteau dans la bouche. Moi, je gagne moi. Et il gagne un petit bout de gâteau. C'est la même époque, ça. Revers, hein? Revers de la médaille, ça, qui finit de dérouler, ça, à l'époque-là. Sans autre manière. Et concernant l'argent, je paye un coffre dans mon lac, ça couché. Je paye un coffre aucun port dans mon lac. N'importe qui, le 5 mai, quand je suis venu, Diaz a bien montré nous côté de coffre, fait m'engueter, moi vous dit, moi ben en coffre. Moi ben en coffre. On va besoin qu'un camion SMF ou une tia coffre, moi ben en coffre. À l'époque, tellement tu me négociais, après, tu voulais même une dégoûtée à nous, nous nous sommes en train de nous concentrer le programme à mon initiative. Un dimanche après-midi, soi-disant, il fait un confrontement, menti. Pas un confrontement de non rien. Un dimanche après-midi, fatal. Fatal. Et. Mais moi, je disais, pas possible, numéro 13, nous prenons vraiment une grande structure. Quelle manière? Et là, moi, je trouvais une bougerie ça, là, apparemment, d'après ce que je trouvais aujourd'hui, une bougerie ça dans le numéro 17. Mais les seuls députés qui peuvent bouger dans tout ça, l'Alliance, là, c'est Richard Duval. Tiens, aux conclusions, même. L'autre affaire, pas capable d'accepter Europe dans le numéro 19. Travailler, c'est une reprendre le numéro 19. Jusqu'en y a un petit peu plus facile, ça veut dire, tiens, nous. De nous reposer dans le numéro 13. Bien sûr, après un demi-temps, je me disais que ça ne m'a pas intéressé, continue comme ça. C'est pas on dirait, offrir un meilleur avenir pour les Mauriciens qui s'intéressent. C'est le pouvoir. Qui manière capable de gagner un maximum de députés pour le pouvoir. Et nous tout connaissons, qui raison qui passe en vis-à-vis Duval à le président de la République, c'est qu'il y a besoin de PMSD dans le gouvernement là, pour que quand mettre. Nous tout connaissons qu'il va arriver un jour, quand pour mettre Paul Béranger de haut, ben, et non, Xavier là et PMSD là. C'était ça la raison. Ça, jamais Ramgoulam pas de casser le salaire. En plusieurs occasions, il dit, explique-moi pas capable là-bas. Et donc, et ça a tout travaillé souci au courant. Suite aux questions de la presse, Xavier Luc Duval a commenté les défections de Kouchal Lobine et de Richard Duval. Kouchal Lobine, on connaît, il n'est pas jamais un PMSD. C'est le cousin de la famille Ramgoulam. Mais pour une raison qu'il est même capable d'expliquer un jour, bon, pas qu'on espère les poser, bien que Ramgoulam capable d'expliquer. Ramgoulam peut refuser de donner une étiquette. Donner une vigne contre nous, et même contre nous, Ramgoulam, si mettait un veto, pas donner une étiquette. Par contre, on est qu'ils ont gagné en tout. Et mon ami a insisté pour après donner une étiquette à Kouchal Lobine. Les partis n'ont pas de mérite, si tu rappelles dans quelle situation. L'un gagne une étiquette, les partis pour mérite ce qu'ils ont fait nous là. Quant à Richard Duval, je vous raconte, moi, vous avez 16 affaires. Vous rappelez quand Jules César dit « et tout brouté », ça te rappelle ça ?« Et tout brouté », en latin ça, quand il veut dire « toi aussi, Brutus ». Quand Jules César gagne plusieurs coups de poignard sur les deux, et il ne faut pas mourir émotionnel, hein? Quand Jules César gagne plusieurs coups de poignard sur les deux, il tourne derrière, il trouve son fils adoptif. Son fils adoptif, il dit « toi aussi, Brutus ». Brutus aussi, une poignard. Mais ça que Jules César a trouvé, quand l'ingénieur s'agout de poignard là. Mais Richard, nous finit adopté dans la famille, nous finit content. Il est dans la famille, nous fréquenter tout le temps, il s'écoute moi pour Pâques, fait que là, il s'écoute moi pour la fin de l'année. Donc, je suis bien surpris, je me laisse à sa conscience,
ce qu'ils ont envie de faire, les faire. Lors de la conférence de presse, Xavier Luc Duval a aussi invité tous les Mauriciens à la journée porte ouverte le 5 mai prochain à Grand-Gobe pour l'anniversaire de la mort de feu Sir Gaëtan Duval. Il a également évoqué les priorités de son programme électoral. Le leader du PMSD a aussi parlé des demandes d'adhésion à son parti après avoir quitté l'alliance de l'opposition. Les flux bruts d'investissement direct à Maurice sont estimés à 37 milliards de roupies pour l'année 2023. Il s'agit d'un chiffre record. En 2022, ce montant était chiffré à quelque 33 milliards de roupies. La Banque de Maurice vient de compiler ces chiffres. Ces investissements directs à Maurice provenaient principalement de la France, des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Pour les observateurs économiques, il s'agit d'un signal positif pour tous les secteurs d'activité de l'économie mauricienne. Cette hausse des investissements directs étrangers est également de bonne augure pour la roupie mauricienne. Place aux explications. L'économie mauricienne maintient son cap de croissance. Le flux brut d'investissements directs à Maurice a connu un record estimé à 37 milliards de roupies en 2023 contre 33 milliards pour la période correspondante en 2022. Cette hausse est une preuve, selon Manisha Dugoni, que tous les secteurs d'activité se portent bien. Elle souligne l'émergence de nouveaux secteurs, dont la biopharmaceutique. Quand le bénéfice FDI qui augmentait dans le pays, c'est toujours un bon signal parce que nous trouvons que dans certains secteurs qui basés dessus, qui peut commencer à émerger, dont le secteur de la biopharmaceutique, ce secteur-là paraît, comment dire, inaugmenté. Nous trouvons aussi qu'il y a un grand effort pour gagner une plantation, une culture au sol. Nous connaissons qu'il y a un soutien dans un précédent budget par rapport à ce secteur-là, donc ça apporte ses fruits. Pour l'Economic Development Board, ce flux d'investissements directs étrangers est le fruit des initiatives conjointes avec le gouvernement pour améliorer le climat des affaires à Maurice. Nous avons un élément, 6 milliards, un investissement, une grande compagnie américaine. Je parle dans la recherche biomédicale, d'un secteur qui n'est pas tiennant. Ce sont des efforts du gouvernement, de l'institution. Et ça, nous pensons un signal fort. Ben, les autres poursuivent. C'est important encore, c'est création d'emplois. Cet état des choses a également une retombée positive sur la roupie mauricienne. Quand une devise étrangère peut venir d'un pays, comme si une peut dire dollars, euros peut venir d'un pays, ça peut permettre nous, dans le long terme, capables de continuer à défendre la roupie. Le secteur immobilier reste le principal bénéficiaire des flux d'investissement directs et étrangers, suivi des secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche. Ces investissements provenaient principalement de la France, des États-Unis et d'Afrique du Sud. Selon le dernier rapport de la World Health Organization, Mauritius, un Mauricien sur trois est obèse. Une situation qui a nécessité la mise en œuvre de programmes de sensibilisation. Voyez ce reportage. En surpoids ou obèse, de nombreux Mauriciens se dirigent vers les centres de santé pour traiter ces problèmes. Selon les relevés de 2021, plus de 36% de la population est concernée. Il y a un problème pour nous. Dimonet bien suivi ça qui est docteur, il vient faire une responsabilité, il vient prendre un lien personnellement. Docteur, il dit, monsieur, à la lettre, une façon de parler. C'est moi qui continue mon métier, plus mon artisan qui m'a beau, et moi, je n'ai pas que mon frère à voir ça. Qui, moi, j'ai l'air manger, moi, connais que moi, j'ai mangé tel lait. Bien que leur origine soit différente, l'obésité et le diabète sont deux maladies étroitement liées. L'obésité est le principal facteur du risque du diabète. De 15 ans, moi, j'ai fait un régime là, côté manger même. Côté manger, moi, je n'ai pas mangé, ben, j'ai fait du trop beaucoup. Moi, je pas mangé n'importe qui légumes, mais pas de légumes qui trouvent en bas de la terre. Ben, ma pomme de terre, je n'ai pas mangé. Arouis, pas mangé. Carottes, pas mangé. Mon médecin me prend régulièrement. À Maurice, 19,9% de la population souffre du diabète type 2, tandis que 15,4% sont en situation de prédiabète. Ces patients doivent avoir un suivi médical régulier. Le BMI, c'est une significante figure pour le médecin, pour la personnel de la santé, qui dirige nous, pour le traitement et pour le patient,
pour sa révision alimentaire. Le traitement, c'est de notre côté. Tout de taille, dans une côté, dans chaque établissement qui nous est là, les color-coded, zone verte, zone jaune, avec zone rouge. Avant qu'ils passent la même, les vignes envers moi, le médecin, les pour finir gagner l'idée. Les là, nous pour gagner un meilleur guide pour soit régulariser les médicaments chroniques qui sont déjà là, mais aussi importante, la situation qui nous est là, c'est revision alimentaire et l'exercice physique. Le ministère de la Santé propose aussi un Exercise Referral Scheme qui offre la possibilité aux patients d'être accompagnés par d'autres professionnels de santé, tels que des nutritionnistes ou encore des entraîneurs pour les exercices physiques. Ces facilités sont disponibles dans les médicliniques à travers le pays. Nous parlerons de la Journée mondiale des vétérinaires après la pause publicitaire. Our stories begin right here. And we never write them alone. There'll be pages we love to read again and again, and some we want to tear out. They are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. We invite you to write your story with us. Your story matters. APSA. La faux des F22 Luxury Edition est là! Un véritable tout-terrain qui allie l'élégance, performance et sécurité routière. Robuste, fiable, prête à l'action, que ce soit en ville ou sur les terrains difficiles, la faux des F22 répond à toutes vos demandes. Soyez parmi les premiers à essayer la faux des F22 par Universal Motors. Le Rice Bowl is back! Eh oui! Retrouvez votre Rice Bowl de KFC composé de riz garni d'oignons, de poivrons, de carottes et de délicieux popcorn chicken accompagné de sauce tahini et sweet chili. C'est sous le thème « Les vétérinaires sont des agents de santé essentiels » que le monde célèbre cette année la journée dédiée aux vétérinaires. À Maurice, une série d'activités a été organisée ce samedi à Réduit par le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire, des activités coïncidant aussi avec la célébration cette année des 110 ans des services vétérinaires de Maurice. Présent pour l'occasion, le ministre de tutelle, Maïn Sirotone, devait souligner qu'avec un élevage à grande échelle, notre pays pourrait non seulement réduire ses importations de produits alimentaires, mais aussi satisfaire la demande locale croissante. Cette journée est un événement annuel qui vise à mettre en valeur et à promouvoir le travail effectué par les vétérinaires du monde entier. Pour marquer cet événement, le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire a organisé plusieurs activités à Réduit, plus précisément dans les locaux du département de l'élevage et des services vétérinaires. L'objectif étant de rappeler la contribution des vétérinaires, non seulement à la santé et au bien-être des animaux, mais également aux humains. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de tutelle, Maïn Sirotone, a salué le travail effectué par les vétérinaires à protéger la santé animale et humaine. Il dira qu'à Maurice, l'État offre aux éleveurs des services vétérinaires gratuits. Et Maïn Sirotone d'ajouter qu'un élevage à grande échelle pourrait contribuer au développement durable du secteur. Cette semaine même, vous avez eu l'occasion de joindre une partie d'éleveurs qui représentent différentes catégories d'élevage à Maurice, ensemble avec les techniciens du ministère, une réunion extrêmement positive et aussi avec beaucoup de propositions. Et quelques propositions qui vous font retenir et qui vous pensez nous capables rapidement mettre en place, c'est bien sûr c'est par rapport à la communication, pour ainsi dire, qui vient une meilleure communication, un meilleur échange d'informations entre les éleveurs et les techniciens au niveau du département du service vétérinaire. Deuxième point aussi que je tiens à faire ressortir, qui vous pensez est très important, c'est bien souvent, plus éleveurs qu'il y a, très d'autres animaux, bien sûr, tous les jours. Et je connais comportements, problèmes, difficultés qui vont être gagnés parfois. Alors, si je viens une formation de base, ça capable permettre de nous avoir un traitement rapide là, jusqu'à ce qu'il y ait un professionnel arrivé. Il faut savoir que cette journée mondiale coïncide avec le 110e anniversaire des services vétérinaires de Maurice. Le service vétérinaire a besoin de faire. Il y a trois aspects dans la santé animale, la santé publique vétérinaire et le bien-être des animaux.
et aussi le côté wildlife, l'environnement. Pour renforcer l'unité qui donne traitement aux animaux, le Environmental Health Service, c'est une clinique vétérinaire mobile, qu'on appelle, qui peut équiper avec un équipement qu'on peut faire chirurgie ou qu'on peut faire un test rapide de laboratoire ou qu'on transporte ou une semence frozen bovine semen pour l'insémination. Une remise de cadeaux souvenirs était également au programme. La Mauritius Society for Animal Welfare poursuit sa campagne de stérilisation de masse pour les chiens. L'équipe de la MSOR était à quatre bornes ce samedi. Cette campagne a pour objectif de décentraliser la stérilisation gratuite dans les différentes régions afin que les propriétaires de chiens puissent profiter du projet et empêcher une reproduction non désirée. À 8 ans, Sophie s'apprête à passer à une autre étape de sa vie. C'est bien important dans nos familles, il y a un family member même pour nous. Tous les jours, le jouer avec nous, le manger, tout ça là, c'est bien, bien important. Galoper avec nous, le content avec l'humour aussi, tout ça là. Oui, bien content que nous venions ici. Les autres, les chiens, tout ça là, nous pouvons pour faire les stériliser. La MSOR étend davantage son programme de stérilisation des chiens, le moyen le plus efficace de contrôler la population canine dans le pays. Je suis bien content qu'aujourd'hui, le gouvernement donne l'opportunité à les gens qui habitent quatre bornes pour amener les chefs à stériliser. Je trouve ça un grand projet et je trouve ça bien intéressant. Et pour encourager les Mauriciens à prendre avantage des facilités offertes, la MSOR, tout en délocalisant le service, se met aussi à la disposition des personnes qui ne peuvent se déplacer. Nous apportons une aide spéciale à des gens qui peinent le transport, qui peinent le moyen et surtout les personnes âgées. Donc dans ce sens-là, nous faisons le transport, nous allons nous récupérer la personne côté lui, ensemble avec le chien et nous apportons sur le lieu de la stérilisation. Et nous aussi, on a un service de casualty. Si on a un problème le soir, nous allons nous récupérer les chiens là, nous guettons lui. Et on a tout un suivi qui fait, même si la personne est âgée, il n'est pas difficile parce qu'il nous assiste lui dans toutes les démarches. De quatre bornes, l'organisme se rendra à Grand-Port la semaine prochaine. La Société de cardiologie de l'île Maurice organise une conférence de deux jours sur les maladies cardiaques chez les femmes, la grossesse et les malformations cardiaques congénitales. Cette initiative vise à promouvoir les meilleures pratiques en médecine cardiovasculaire et à sensibiliser aux défis posés par ces maladies. L'île Maurice bat au rythme du cœur avec la tenue d'une conférence de deux jours organisée par la Société de cardiologie, mettant en lumière les maladies cardiaques chez les femmes, la grossesse et les malformations cardiaques congénitales. Cette conférence vise à donner un aperçu du monde complexe de la cardio-obstétrique où médecine et collaboration s'entremêlent pour promouvoir le développement professionnel continu des prestataires de soins de santé. C'est un topic qui est intéressant, mais qui est bien complexe, notamment la maladie cardiovasculaire dans les dames. Le motto de la société, c'est de promouvoir la médecine et la médecine de haut niveau. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir deux grands professeurs. Okay, la première, c'est professeure Karen Silva. Elle est la première dame qui était présidente de l'association de World Heart Federation. La deuxième, c'est professeur Cubidon. Il est very senior cardiologue interventionnel avec une spécialité dans les dames qui ont la maladie congénite. Je félicite la société cardiovasculaire pour les efforts qu'ils ont pu faire. Comme ça, ils n'ont pas seulement donné le traitement, mais aussi ils donnent un traitement qui est adapté aux normes internationales, mais aussi empêche l'immune. On peut mettre madame malade, comme ça nous sommes capables de finir de faire une prévention bien au début même. Les permettre sa bonne madame là amène une meilleure qualité de vie. Sur une période de 20 ans, le nombre de décès maternels a chuté de 20 à 10 par an, atteignant 4 l'année dernière. Bien que prometteuse, cette statistique requiert une attention constante.
À l'échelle mondiale, les maladies cardiovasculaires sont responsables de plus de décès chez les femmes que tous les cancers réunis. Cette réunion représente une étape vers un avenir où la santé cardiovasculaire des femmes n'est plus un mystère médical, mais un défi surmontable grâce à la coopération, à la recherche et à l'éducation. Maurice bat au rythme de l'innovation médicale, prête à accueillir un avenir où chaque pulsation est précieuse. Ce samedi, l'équipe de l'émission Ensemble avec CSU était à Terre Rouge. Comme chaque semaine, les habitants de la région ont pu présenter leurs doléances. Comme à l'accoutumée, ils étaient tous présents, les représentants des différents services et autorités, pour offrir un service de proximité à la population. On connaît qu'ils ont pu faire travail partout, en tient l'île. Je suis satisfait qu'ils ont pas de travail qu'ils ont pu faire. Nous bannons le peuple, on dirait nous pas bien bizarre, à galop droite à gauche, que ben n'a pas vu devant la porte, premier ministre, avec les autres partout pour résoudre ben problème. Pour moi, c'est un travail très important qu'ici CSU peut faire, ensemble avec le ministère et tout le ministère qui est présent, et surtout avec le gouvernement qui est là, qui peut travailler pour nous bannir le peuple, pour le bien de la population de l'île Maurice. Et ce qui me contente ici, c'est que là, nous trouvons beaucoup de ministères qui sont présents. Je viens de raconter ce problème, ce difficulté que j'ai là. Et là, nous connaissons qui est le ministère qui est présent, qui est là, qui travaille ensemble avec le gouvernement pour faire le nécessaire pour ce là. Et c'est sûr et certain que ce travail-là, il pour faire. Je suis un habitant de Le Hocher, Terre Rouge, à côté. Donc, je fais un devoir en tant que citoyen et en même temps, pour venir dans le CSU. Et bien sûr, nous informons tous nos bons voisins, etc. Et tout. Et pour que tous nos voisins, au moins, Atlis, connaissent qu'ils sont dans Terre Rouge, nous pouvons faire SISU, puis commencer et il y a un bon gouvernement, etc. Le ministre de l'Énergie et des Services publics est revenu sur les réalisations du gouvernement pour la région. Une circonscription continue un développement à plusieurs niveaux, en termes de, par exemple, infrastructure routière. Nous construisons beaucoup la route, nous construisons la route pour débloquer la situation. Là, on mentionne à l'entrée de Vallée des Prêtres qui tient une grande difficulté pour les automobilistes dans la région. Et là, quand nous faisons cette jonction-là, nous soulageons les habitants de la région. Nous avons l'autopont de Terre Rouge qui est en construction en ce moment-ci. La députée Joanne Tour a, elle, mis l'accent sur la jeunesse. Je tenais à remercier encore une fois l'équipe CSU qui fait une vigne dans Terre Rouge pour donner l'opportunité aux habitants de passer un peu de doléances, de nimper la bonne suggestion. Effectivement, le volet de la jeunesse dans nos sociétés, c'est un volet très important. Comme on le connaît, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et je voudrais saluer l'effort du Premier ministre, du gouvernement central, qui donne toute son importance à les acteurs du monde de demain. Quant au président du District Council de Pamplemousse, ce sont les travaux infrastructurels de la région qui attirent l'attention, plus particulièrement les travaux de drain afin de diminuer les dégâts lors des intempéries. Ce drain qui nous fait des 3 ans là, aujourd'hui, vous trouvez ce drain là, nous rend beaucoup de services. Et nous faisons gagner, on ne pas dire que nous n'avons pas de problème, nous gagnons, mais nous gagnons très peu de problèmes. Et mon cas dire où nous payons un flooding problème, mais que pas encore fini à range bandre, nous encore payons un problème. Mais seulement nous capables dire où nous en bonne voie, nous faisons drain, nous peut faire drain et nous pour continuer faire man drain encore. La drogue, qui est un sujet important pour ce programme, a aussi été abordée à travers la présence de l'ONG Kinuiti. C'est une organisation qui existait depuis 2001. Nous travaillons pour la réhabilitation et la réinsertion des détenus et anciens détenus, mais pas que, aussi avec les jeunes, qu'on appelle les juvéniles, ceux qui ont un problème avec la loi, qui ne fait CYC ou YC, ou actuellement il y a le probation, hostel et home. Mais nous travaillons aussi avec la famille. Le week-end prochain, l'équipe d'Ensemble avec CSU sera à Goodlands. Quand l'inspiration et la créativité se rencontrent, c'est une immersion sans égale. À Rodrigue, le collectif international d'artistes Escale a tenu ce samedi une exposition au programme peinture, photographie et sculpture.
À l'entrée même de cette exposition à Font-la-Digue, on est déjà ébloui par les œuvres diverses, incluant le dessin, la peinture, la photographie, la sculpture et des tableaux. Des inspirations et des découvertes artistiques de tout genre se basant sur la réalité rodriguaise et son paysage que ces artistes d'ici et d'ailleurs ont pu mettre en lumière. Tu rentres dans le monde là direct depuis la porte en fait. Tu viens, tu gagnes un tableau ici, tu gagnes genre le côté naturel quoi. Les artistes internationaux présents à cette exposition viennent de Maurice, d'Islande, du Japon, de la Pologne, de France, d'Allemagne et de la Lituanie. Ils sont à Rodrigue depuis un mois déjà pour préparer cette résidence artistique à Font-la-Digue en utilisant des objets et des matériels de chez nous. Ce travail concerne la création de souvenirs car pour moi, ils sont vraiment importants. En fin de compte, la seule chose que vous avez dans la vie, ce sont des souvenirs. C'est un événement assez unique et c'est la première fois qu'il y a dans ça à Rodrigue. L'espace est un peu atypique. C'était une maison, mais la maison est un espace intéressant. Le collectif international d'artistes a voulu faire escale à l'île Rodrigue pour vivre et nourrir leur or. Le thème a choisi le transit de Vénus, s'inspire de l'expédition menée en 1761 par une communauté de scientifiques pour trouver le meilleur spot afin d'observer le mouvement de Vénus. Et Rodrigue en est une. Tout travail que nous faisons ici, nous faisons avec matériaux locaux. Et nous faisons ce qui inspire nous ici, nous pas même travail. L'exposition collective internationale de cette cinquième édition de la résidence artistique sera ouverte ce lundi 29 avril seulement pour les élèves, de 13h à 14h30. Et le 1er mai, le public pourra à nouveau la visiter entre 13h et 19h. On enchaîne avec ce projet visant à promouvoir l'entrepreneuriat chez les femmes. Il s'agit du Women Empowerment Program soutenu par la Fondation Espoir Développement en partenariat avec l'Union européenne. Après 7 mois de formation sur la gestion de leur entreprise, du capital au marketing, elles s'offrent un nouveau départ. Ce projet, mis en place par la Fondation Espoir Développement, leur a permis d'avoir plus confiance en elles. J'ai déjà travaillé 2 ans dans le domaine de pâtisserie. Au fait, mon projet, qui m'a envie de faire un gâteau personnalisé panda. Mais il existe pour moi tout seul. J'ai fait Chris, Tissaz, Rasta. J'ai fait ça depuis l'âge, moi, en 9 ans. Je fais ça pour beaucoup de monde, belles enfants, monsieur tout. Je fais une bougie parfumée avec un message qui redonne espoir et confiance en soi et tout en menant une atmosphère paisible et agréable. Après 15 ans que je fais dans un centre d'appel, je décide de retourner vers ma passion. Et là, je commence à faire de la pâtisserie. L'aventure ne s'arrête pas là. Elles font désormais partie de la famille de FED. Bon, c'est l'année dernière, en août, mi-août de l'année dernière. Et l'idée, c'était vraiment à Rodman Dimoun qui est en difficulté, qui sont dans un milieu très vulnérable, pour qu'ils soient capables de set up un petit business et améliorer leurs conditions de vie et aussi améliorer les conditions de vie de bonne famille. Ces femmes ne repartent pas les mains libres, elles rentrent chez elles avec un capital qu'elles pourront injecter dans leur entreprise. Nouveau départ et nouveau défi pour ces entrepreneurs. Et avant de clore cette page locale, parlons formation, notamment la Boot Camp Training lancée au Centre de jeunesse de Floréal, une formation intense destinée aux jeunes du pays à l'initiative du NPCC. Plus de 100 participants se sont inscrits au projet NLE 2024. Ils ont suivi une formation en ligne sur le leadership. 20 de ces participants, ceux ayant obtenu plus de 80% après la formation, passent à la phase 2 pour le bootcamp training. Le National Leadership Engine, c'est un projet qui met en place pour la MPCC et aussi avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports. Actuellement, nous avons une 6e édition. Que durant ces 3 jours, nous avons un bootcamp. Donc, il y a actuellement le stage 2. Donc, pour le bootcamp, il peut passer en 3 phases. Nous prenons une série d'activités qui passent en relief tout ce qu'ils ont appris online. Donc, comme social competence, problem solving skills, project management. On vient là pour développer une culture de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, le programme-là est dévoué à identifier les leaders de la société. Nous avons l'opportunité de nous joindre ici et nous interagir et nous apprendre depuis nos camarades. La 3e phase va regrouper les meilleures équipes des 9 districts qui seront amenées à mettre en pratique tout ce qu'elles ont appris sous forme de projets communautaires.
National Leadership Engine qui est lancé en 2018. Et en 2024, nous revampons, nous innovons nos façons de faire NLE. Et là, je peux gagner l'occasion à la troisième phase pour participer au NLE Award, que mon groupe qui est sélectionné au niveau régional, pour aller au niveau national, et que je suis capable de mettre mon œuvre à la disposition du jury. Et ça pour sélectionner. Et ça pour terminer avec un award cérémonie. Le premier prix, c'est le 75 000. Deuxième, c'est 50 000. Et troisième, c'est 25 000. Objectif, sensibiliser les citoyens aux drogues, à l'environnement et à la santé. On se retrouve après cette bande d'annonces. Née de la collaboration entre BAIC et Daimler Benz, la BAIC X55, gagnante de la Best Family SUV du South African Car of the Year Award 2023, arrive pour la première fois à l'île Maurice en exclusivité à Universal Motors. Rendez-vous le week-end du 27 et 28 avril et découvrez cette machine extraordinaire. Communiqué ministère l'intégration sociale, sécurité sociale et solidarité nationale. Ministère l'intégration sociale, sécurité sociale et solidarité nationale, PFO Mbandimoun qui est à 60 ans à monter, qui campagne vaccination contre la grippe fin commencer lundi 8 avril et qui pou fini lundi 13 mai 2024. Tout le monde qui souhaite faire vaccin contre la grippe, bisez à mettre votre code identité et votre code vaccin. Vous bisez à aller dans le centre vaccination qui plie près aux autres. Lundi 29 avril 2024, Baitoul Mall, Hall, Rosebel, Never Gramatin jusqu'à Désert Tantou. La Rosa Social Welfare Center, Never Gramatin jusqu'à midi. Motaba Social Welfare Center, midi 30 jusqu'à Désert Tantou. Lower Dagotière Multipurpose Hall, Dagotière, Never Gramatin jusqu'à Désert Tantou. Calendrier campagne vaccination contre la grippe disponible aussi au site ministère intégration sociale, sécurité sociale et solidarité nationale, socialsecurity.gov.org. La page internationale avec Winners. On est tous Winners. Et la vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Fer, zinc, calcium et vitamine A. Avec une bonne dose de rire, une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Jackpot ! C'est le grand retour de Casino... des produits Casino chez Winners. Vous les attendiez impatiemment, ils sont de retour. 6 barres Choco-Coco et de céréales à la figue Casino à 49,95 €. La crème gel douche et gommant Easyance à 94,95 €. 24 papiers toilettes Winners à 389,95 €. Pas oublié, check nos bannes produits et promolo site winners.mu. Achetez online, livrez la case. On est tous Winners. Dans le sud du Brésil, au moins 10 personnes sont mortes dans un incendie. Le sinistre s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un hôtel où vivaient des sans-abri à Porto Alegre. Les pompiers de l'État de Rio Grande do Sul ont, dans un communiqué, précisé que l'hôtel fonctionnait de manière illégale. Des médecins légistes ont procédé à l'identification des victimes et ont démarré une enquête. L'Asie du Sud-Est étouffe sous des températures extrêmes, une situation inquiétante qui pourrait amener à se reproduire. Selon les Nations Unies, le continent asiatique est celui qui a le plus souffert des catastrophes climatiques en 2023. La situation dans quelques pays de la région dans le reportage qui suit. Dans les rues de Bangkok, les touristes et les habitants doivent faire face à la montée en flèche des températures. L'indice de chaleur du pays, qui combine les niveaux d'air et d'humidité, a dépassé les 52 degrés Celsius, ce qui est considéré comme extrêmement dangereux. Les autorités thaïlandaises invitent les gens à rester à l'intérieur pour leur propre sécurité, mais pour ceux qui gagnent leur vie dans les rues de la capitale, ce n'est pas une option. Selon le ministre de la Santé thaïlandais, 30 décès liés à la chaleur ont été enregistrés dans tout le pays depuis le début de l'année, contre 37 l'année dernière. Aux Philippines, un village vieux de plusieurs siècles, submergé par un barrage construit dans les années 1970, est réapparu.
La chaleur extrême et la sécheresse ont fait chuter le niveau du réservoir près de 50 mètres. Avril et mai sont généralement les mois les plus chauds en Asie du Sud et du Sud-Est. Mais cette année, les températures ont été exacerbées par le phénomène climatique El Niño. La chaleur accablante a entraîné une hausse de la consommation d'électricité et des pannes au Bangladesh, où des millions d'élèves ont été priés de rester chez eux, alors que la nation sud-asiatique traverse l'une des pires vagues de chaleur de son histoire. 70, c'est le nombre de tornades enregistrées hier aux États-Unis par les services météorologiques américains, l'essentiel autour de la ville d'Omaha et près de l'Iowa. Les prévisions indiquent que ce phénomène météorologique pourrait se poursuivre dans certaines vastes régions de plaines agricoles, y compris jusqu'au Texas. Des dizaines de bâtiments ont été détruits, des lignes électriques arrachées et des trains ont déraillé. En Grande-Bretagne, le roi Charles III va reprendre ses fonctions publiques la semaine prochaine, a annoncé le palais de Buckingham hier soir. Le monarque britannique s'est retiré temporairement de ses engagements publics après qu'on lui a diagnostiqué un cancer en février. La page internationale avec Winners. On est tous Winners. Et la vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Para-athlétisme, le Grand Prix de Marrakech se déroule jusqu'au 28 avril prochain. Hier, les para-athlètes mauriciens ont brillé au 100 mètres T11, médaille d'or pour la paire Andorra-Hausson, Loïc Baguerotti, l'or également pour Mehfouz Ozir au 100 mètres et 800 mètres T54. Ashley Telva va pour sa part décrocher la médaille d'argent au saut en longueur T20. Sachez que dans moins de 3 semaines, 12 para-athlètes mauriciens seront engagés au championnat du monde au Japon. Un déplacement d'une vingtaine de personnes au coût de 6,3 millions de roupies qui sera financé par le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs. Les dirigeants de Liverpool ont conclu un accord verbal avec Feyenoord pour recruter l'entraîneur Arne Slot, selon la presse européenne. Un accord définitif pourrait être trouvé durant le week-end. Le montant de la transaction pourrait atteindre 9,4 millions de livres. En Premier League anglaise de football, place ce week-end au 35e épisode de la saison. Ainsi, 5 rencontres ont été disputées jusqu'à maintenant. Notez principalement qu'en levée de rideau, Liverpool a été tenu en échec sur la pelouse de West Ham, 2-2. Au classement, les Reds restent 3e. De son côté, Manchester United n'a pu faire mieux que match nul, 1-1 contre Burnley, avant-dernier de la classe. Je vous rappelle qu'à 20h30, Everton recevra Brentford et qu'à 23h, Chelsea sera sur la pelouse d'Aston Villa. Demain, nous aurons droit au derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal, alors que le triple champion en titre Manchester City jouera Nottingham Forest. La femme olympique a entamé samedi son voyage vers la France à bord du Belém qui a quitté le port grec du Pirée. Après avoir passé la nuit à l'ambassade de France à Athènes, ce dimanche, le navire passera par le canal de Corinthe. Le Belém devrait arriver à Marseille le 8 mai. Vendredi, la Grèce a remis la flamme olympique des Jeux de 2024 lors d'une cérémonie. On enchaîne avec les nouvelles du temps. Maurice est dans une zone relativement dégagée. Des nuages venant du secteur est influenceront le temps à Rodrigue et des nuages venant du nord-est influenceront le temps à Agalega demain.
le vent est faible sur la région. Beau temps durant la nuit et demain matin, sauf pour quelques ondées occasionnelles sur les hauteurs. Il fera entre 20 et 26 degrés dans l'île. Des développements nuageux temporaires sont prévus demain après-midi sur les hauteurs, avec quelques averses localisées. Beau temps ailleurs et demain entre 26 et 33 degrés dans l'île. Le vent, léger et variable. La mer, forte au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest jusqu'à 2,50 m, s'améliorant demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées pour cette nuit. À Rodrigue, beau temps durant la soirée, ciel mi-couvert durant la nuit et tôt demain matin, devenant parfois nuageux avec quelques averses. Et il fera entre 22 et 25 degrés cette nuit à Rodrigue. Essentiellement beau au cours de la journée demain et demain entre 27 et 30 degrés. Le vent du secteur est à 15 km/h et la mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud, sont déconseillées. Il y a des indications que les houles s'atténueront graduellement durant la nuit. Beau temps durant la nuit à Agalega, il fera 27 degrés dans l'île. Ciel mi-couvert demain, devenant parfois nuageux avec des averses. Et les averses pourraient être modérées par moments avec des orages. Il fera demain 34 degrés à Agalega. Le vent du secteur est à 15 km/h. La mer agitée avec des vagues de 2 mètres, devenant forte sous les averses orageuses. Et les sorties en mer sont déconseillées pendant ces averses à Agalega. Mis l'eau glacée, faites-le plein de bien frais. C'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. À très bientôt.